Ok, premier exercice, je vais faire le pull-over. Donc vraiment, ce qui est important avec le pull-over, c'est de pousser avec les épaules, avec les coudes. Comme ça, on peut vraiment isoler les dorsaux sans utiliser les bras. Et vraiment, quand on pousse, gonfler les dorsaux en même temps. Cool. Je maintiens la contraction bas. Maintenant, je vais passer au tirage à une main. Ce qui est important à ce moment-là, c'est vraiment le mouvement de l'épaule plus que le mouvement du bras. Ça, ce mouvement-là, c'est quasiment pas de dos, c'est que dans le bras. Mais ce mouvement-là, ça, c'est les dorsaux. Gardez le plus bombé, vraiment tirer en arrière. Et là, vous avez vraiment recruté les dorsaux. Là, j'ai la flemme d'aller récupérer les haltères là-bas, donc on va prendre les 150. On va voir comment ça se passe. Vive la France! L'audace, toujours l'audace! Ah, c'est un peu lourd, mais voilà. Le troisième exercice, on passe à la barre. Ici, en petit barreau, avec le support sur les pecs. Je vais bien mettre les jambes sur les côtés parce que ça permet de moins utiliser le bas du dos finalement. On est plus stable. Et là, on va faire la façon d'Aniester, donc on va vraiment aller laisser les pectoraux se rentrer vers l'intérieur pour vraiment monter et étirer vers l'extérieur, en vraiment ramenant les épaules. Et qu'il y aura ce gros mouvement des épaules, ce qui apparemment, vraiment, d'après Dani, vraiment développe les dorsaux à fond. Donc vraiment aller chercher vers le bas et quand on remonte, sortir la cage thoracique et ramener les épaules vers l'arrière, vraiment les coudes vers le bas, vraiment travailler les dorsaux sur les en haut, c'est pas faire les arrières d'épaule. Ok, donc là, pour le quatrième exercice, on va faire un tirage sur la main avec la main en dessous, appelé tirage dorianien. C'est connu justement pour avoir des gros dorsaux bien massifs, donc avec une prise en supination sur la machine, je suis fatigué là, mais cette machine est assez difficile. Donc, let's go. Vraiment tirer le coude en bas, et vraiment essayer de ramener le coude vers l'intérieur, et pas tirer avec le bras, mais non, ramener le coude pardon, vers l'arrière. Thank you.
Tirage bas, low row, finir un peu les pressions sur le dos et on va essayer de travailler, d'attraper la partie assez basse pour montrer les plutôt bas de biceps parce que c'est vraiment mon objectif principal et c'est mon avant-dernière série. On va acheter du poids après, vraiment garder cette contraction et vraiment construire cette épaisseur. Donc, let's go. Et après ça. Oh voilà, il va finir cet entraînement galérien, il va transpirer. Mais bon, filmer tout ça, j'espère que ce sera pas trop galère, vous pourrez comprendre quelques trucs. Mais en attendant, à la prochaine, c'est Animal Nation. On s'abonne, on partage, merci à tous et à bientôt.